La clairière est connue dans le monde entier et le wagon, c'est le wagon le plus célèbre du monde. Même celui de Louis II à Nuremberg ou de la reine Victoria à York n'ont pas la même renommée. On apprend qui il y avait dans le wagon, qui signait l'armistice. Et donc, ça fait quelque chose. Et de savoir qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts et qu'il fallait beaucoup de personnes, il fallait quand même avoir du courage pour ne rien lâcher.